Allez, Marco Boyajian, le pilote de Dardilly, qui avait réalisé 35-03 lors du premier passage. Oh, c'était un peu juste. Allez, techniquement, c'était un peu compliqué dans cette protection. On va voir si elle conserve quand même un bon timing, un bon rythme de piste ici dans cette triple session. Allez, je rappelle que le meilleur temps avait été réalisé avec Victor Agosti avec 34-25 lors du premier passage. Allez, le temps de référence de cette super finale, 35-17. Allez, c'est maintenant qu'il faut développer tous les watts dans cette première ligne. Regardez toute l'énergie produite par ce pilote dans cette super finale, là, monsieur Thomas Bocan. Le club d'Orsine. Allez, 34-99, voilà le temps qu'il avait réalisé lors du premier passage. Et pour l'instant, dans cette super finale, le temps de référence, il est affiché 34-35-17. Oh, que ça a été chaud, mais il arrache 34-80. Allez, le pilote qui va arriver devant vous à la sortie de ce virage, c'est monsieur Louison Rousseau, l'ADN Pays de la Loire. Allez, pilote rapide sur chaque obstacle, regardez, on peut le constater à la sortie de ce virage. Oh, que ça va vite, il avait réalisé 34-96, notre ami Louison Rousseau, finaliste des championnats de France, je le rappelle, la saison dernière à Londres. Allez, est-ce qu'il va aller chercher éventuellement le podium ou le tour de référence de cette super finale? 35-07. Allez, ça sort rapidement de ce virage avec une magnifique relance. Les couleurs de l'ADN Saint-Brieuc, cycle évasion avec monsieur Adam Aupin. Yeah, 34-96, c'est son temps de passage tout à l'heure. Et là, il faut aller chercher, eh bien, les 34-80. C'est Thomas Bocan pour l'instant qui tient la référence de cette finale, de cette super finale. 35-28. Et c'est monsieur Mathis Carlier qui est à l'action pour l'instant dans cet exercice, le Time Trial, toujours chez les juniors. Allez, est-ce qu'il va aller chercher le temps de monsieur Thomas Bocan, les 34-80 affichés? Oh, ça a été vite, mesdames et messieurs. Ça a été très, très vite. C'est propre pour l'instant. Oh, 34-53. Yes, là également, ça fait le choix du jump, là, tactiquement, dans le dernier obstacle de la première ligne. Oh, ça va vite également. Tactiquement, c'est pas mal réalisé également. Il y a le bon appui dans ce virage pour relancer. Oh, je peux vous dire qu'on voit le stigmate de l'effort sur son visage ici dans cette troisième ligne. Oh, est-ce que ça va aller chercher le temps de référence avec un monsieur Arthur Chabanon, l'Union BMX du Rouennais? Allez, le public, 34-35. Allez, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort nécessaire pour aller chercher les secondes ou les centièmes dans cette super finale. Oh, ça a été vite, mesdames et messieurs, ça a été vite pour monsieur Pierre Gess, le pilote de l'An BMX Auvergne. Allez, c'est maintenant qu'il faut physiquement tenir le lactique. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort jusqu'au bout. Wow, 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 33-84. 8, 7, 6. Ah, est-ce que monsieur Victor Agosti, après avoir remporté le premier tour de piste Time Trial tout à l'heure avec 34-25, va réussir à hausser le niveau dans cette super finale et descendre en dessous les 33-94? On va lui donner de l'envie, de l'énergie, mesdames et messieurs, avec les encouragements, monsieur Victor Agosti.
derniers mètres pour Victor Agosti pour descendre sur les 33-94. Oh que ça il fait chaud